CND News, informé dans l'éthique. Ce samedi 8 juin 2024, c'est à plus de 250 km de Dakar, précisément à Saint-Louis, que l'imam Ahmadou Mokhtar Kanté a procédé à la présentation suivie de dédicaces de son nouveau et prestigieux livre « Mohammed, le sceau des prophètes, la part d'Ismaël dans l'histoire de l'alliance abrahamique », écrit en français et en arabe. C'est la salle de conférence du lycée technique André Pétavin qui a accueilli l'événement, qui a vu la participation d'anciens collègues, des proches, des amis de l'imam, mais aussi d'autres personnes qui étaient au courant de l'événement à travers les annonces. Tout au début de la cérémonie, l'imam Ahmadou Mokhtar Kanté a tenu à remettre deux exemplaires du livre, la version française et la version arabe, au président d'honneur, l'imam Abdullah Cissé, représenté par l'imam El-Hajj Sow, avant de faire un exposé sur les différents thèmes abordés dans l'ouvrage. S'en est suivi les prises de parole de quelques personnes parmi le public qui ont soit fait des contributions, soit posé des questions auxquelles l'imam a apporté des réponses. Chaque personne ayant acheté le livre a eu droit à une dédicace de la part de l'auteur et des échanges de quelques mots de cordialité. Après la cérémonie de présentation et de dédicace, Imam Ahmadou Mokhtar Kanté a accordé un entretien à la radio Dunia FM de Saint-Louis, émission durant laquelle il s'est prononcé sur le livre et sur des questions d'actualité. CND News, informé dans l'éthique.